J'ai fait cette vidéo déjà aujourd'hui pour m'excuser vis-à-vis de mon comportement sur les réseaux sociaux avec Tikden. Ah, comme il est, avec sa tête comme la pierre. Mbungi. Tête de prune. J'ai fait une vidéo, j'ai posté une vidéo il y a de cela 4 jours où nous étions en train d'effectuer un voyage pour l'Ouest. Et nous sommes arrêtés à Manjo parce que Manjo c'est ma maison. Ah bon? Nous sommes arrêtés là-bas et on a décidé de prendre un pot. Voilà. Nous sommes arrêtés dans un bar. On a pris un pot. Il y a ce papa dans la vidéo qui est arrivé auprès de nous. Le papa m'a reconnu. Et ce jour, lui a donné 1000 francs. Quoi? Ce jour, lui a donné 1000 francs. Petit menteur. On l'a faoté. Les gens avec qui on était l'ont faoté. Quoi? Ce jour, lui a donné 1000 francs. Tu es sûr? On l'a faoté. Les gens avec qui on était l'ont faoté. Il a continué à demander, C'est là que dans la voiture, il m'a dit que papa, je n'ai plus. Moi-même, j'ai dépanné le père. Oh là là! Mais après 10 à 15 minutes, nous sommes rentrés dans notre véhicule pour pouvoir continuer le voyage. Le papa est encore revenu quand on était sur le point de partir. Il a dit, donnez-nous encore tout. Il demandait. Moi, sachant que tu ne pouvais pas donner deux fois, c'est où j'ai donc pris la vidéo, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé. On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. Le papa en question, moi, je le connais très bien. C'est un papa de ma ville natale. On l'appelle Dongo dans cette ville. C'est un papa qui ne dérange pas. Je n'avais aucune intention quand je postais cette vidéo. C'était juste pour décharger Tik sur les réseaux. Décharger Tik sur les réseaux. Ah. Décharger Tik sur les réseaux. Mais ta tête, c'est les pop-corn. Il n'y a rien de. Seigneur. Mais je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur. En fait, je n'avais pas pris conscience parce que je ne savais pas jusqu'à où cette vidéo pouvait arriver. C'est quoi ça? Pour ce faire, je demande déjà pardon à papa Vassio. Et je tenais à m'excuser devant papa Vassio. Papa Vassio, j'ai écouté ta vidéo. J'ai pris la peine de suivre. Nous sommes censés être des influenceurs et nous devons impacter positivement et non négativement. Ah, comme il est. Avec sa tête comme la pierre. C'est notre papa. Cette vidéo n'était pas une forme de moquerie. J'ai fait un post hier pour dire que je vais aller chercher ce papa. Parce que je connais où je vais le trouver. Je n'ai pas demandé si quelqu'un connaît là où je peux le trouver. Que je vais aller chercher parce que je sais exactement où je vais le trouver. Tu es sûr? C'est un gros parleur. Et je vais réparer cette erreur. Vraiment, je tenais à m'excuser auprès de tous mes abonnés, auprès de tous les abonnés de Tikden, auprès de toute la communauté Facebook. Ce geste vraiment n'est vraiment pas bon pour nous en fait. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement il traverse une période difficile et je ne peux pas me déplacer. Mais dès que possible, j'irai le voir pour lui remettre une enveloppe personnellement et je ferai une vidéo pour poster. Mon ami, tu dis ces choses parce que tu ne pries pas. Pour ceux qui disent que j'ai utilisé son image, non, cette vidéo n'était pas pour pointer de l'argent. Cette vidéo, au départ, je voulais juste insulter Tik. Mon frère. Jésus. Godness. Arrêtez ça. Vraiment, je suis étonné. On a nos confis, ça nous regarde. Mais j'ai compris que je me suis laissé emporter par l'émotion. Vraiment, je demande pardon à Tikden pour ça. Foulcan. Ta maman est mal éduquée. Ton maudia. Tu es comme un cafard. Tu es zéro nul. L'ordre de zéro nul. Zéro. Pardon à papa Vassio. Arrête le gros cul de ta maman la connard. Belle larme bimeli. Et sa taille économique, un enfant maudit. Le vampirisme, c'est le Camerounais. Bon mercon. Pardon à tous mes abonnés. Comme je vous ai dit, j'irai le chercher et je ferai une vidéo avec lui pour m'excuser auprès de toute la communauté Facebook. Allez, ferme ta bouche. Imbécile. À chacun son problème. À chacun son problème. Juste un instant pub et on se prend après. Voilà, cher Benguis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. C'est le meilleur. Ah oui, hein. Il n'y a pas son deux. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman,
Abia, descend, pharmacie du soleil. Ok. Pardon à tous mes abonnés. Comme je vous ai dit, j'irai le chercher et je ferai une vidéo avec lui pour m'excuser auprès de toute la communauté Facebook. En tout cas, je n'ai rien dit. Hein. Après, vous allez dire que oh, Franco, tu es monté, tu es descendu. Je n'ai rien dit. Eh bien, Franco a collaboré avec certains artistes musiciens du côté de Bofsam. J'ai nommé Fabrice, Signe et son équipe. Nous allons, le 30 septembre 2023, faire des dons dans trois orphelinats dont je vais citer. L'orphelinat Notre-Dame de la Paix, situé à la Maïtue de Bafoussam. L'orphelinat Global Frontière, situé derrière la pharmacie Binam, qui s'occupe justement des déplacés de la guerre dans le Nozo. Donc nous irons là-bas faire des dons le 30 septembre. Et la fondation Fédor. Donc pour ceux qui souhaitent nous soutenir, nous encourager dans cette action, bien vouloir, n'est-ce pas, me contacter personnellement au numéro qui s'affiche au bas de cet écran. L'aide n'est pas seulement financière. Si quelqu'un a les dons, peut-être matériels, les habits, les chaussures, bien vouloir me contacter ou bien nous envoyer. Ce jour-là, nous allons remettre à ces enfants qui souffrent, bien entendu, dans ces orphelinats. Nous comptons sur vous. Ensemble, nous allons faire quelque chose de mieux. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.